Mais les hommes chopent David. Mais moi, je suis quoi? Et puis, il est marié. Mika. Amen. Amen. Alléluia. Oh, il y a une natte qu'elle doit poser pour mériter David. Amen. Amen. Donc, le message te dit non. Elle voit dans une cour royale. C'est la royauté. On ne rentre pas comme ça dans la royauté. Il y a un prix à payer. Amen. Amen. Tu n'as rien fait, toi, Denis, madame Isaac. Comme ça. On te prend dans la rue, madame, venez, t'es madame Isaac. Donc, il dit, celui qui va, est celle qui va sortir, donner, qui va me donner à boire, moi. Tu vas penser que, ah, le monsieur, là, il a bu. Mais en même temps, il va regarder mes 10 chameaux assoiffés, des dromadaires. Celle-là, elle mérite de marier Isaac. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celle-là mérite Isaac. Ce n'était pas une petite épreuve. Comment trouver cette femme? Il se faisait tard. Quand il rentrait à Mésopotamie, mais près d'un puits. Regardez. Allons-y. Le serviteur d'Abraham n'avait pas encore fini de parler. Il avait sorti sa cruche sur l'épaule. Rebecca. Rebecca est sortie. Née de Bethuel. Alléluia. Rebecca est sortie. Allons. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Très bien. Elle avait toutes ses qualités. Hein? Beauté, virginité, mais il y a une autre beauté qu'on recherchait. Allons-y. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Elle allait, elle s'est pas occupée du monsieur. Elle a pris de l'eau. Elle partait faire à manger. Son champ, au village, le soir, on a besoin de manger pour faire mort subite. C'est comme ça au village. Le soir, c'est mort subite. Hein? On mange un coup. Le matin, tu fais ton petit déjeuner. Tu n'as pas eu ces bananes braisées. C'est le 18h là-bas qu'il mange. Tu as dormi. J'attends le lendemain. C'est comme ça. Allons-y. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Un peu d'eau. Elle répondit. Elle répondit. Bois, mon serviteur. Bois. Amen. Amen. Alléluia, bois. Une femme de bon cœur, elle dit, bois. Elle est serviable. Une femme serviable. Elle est serviable. Elle dit, bois. Allons-y. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Mm-hmm. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Elle se répète. Je puiserai aussi pour tes chameaux. Amen. Alléluia. Mais ceux qui t'ont soif, mais ceux qui t'ont aidé à venir ici, qui ont traversé le désert avec toi, une femme qui doit entrer dans ta vie, elle doit donner à boire tes chameaux. Là, il a traversé le désert. Traverser le désert, c'est souffrance. Est-ce qu'elle arrive à te faire sortir de la souffrance? Elle te donne à boire. Ses paroles dans tes oreilles, c'est pas Rebecca. Elle doit me donner à boire. Quand je la vois, je suis consolé. Le jour qu'elle a fini de donner à boire au serviteur, elle a donné à boire ses 10 chameaux assoiffés. Regardez, elle ne voulait rien que de rendre service. Or, elles sont toujours prêtes, elles veulent quelque chose en retour, ce n'était pas de l'amour. Elles ne s'attendaient à rien. Imaginez-vous, cette femme, cette fille, elle ne s'attendait pas au monsieur. On l'attendait aussi à la maison pour le repas du soir. Mais l'amour l'a fait oublier beaucoup de choses. Une femme qui va s'oublier, qui va s'occuper de toi, qui va te faire entrer, c'est celle-là, qui est Rebecca, qui est une consolation. Celle qui vient me consoler, pas pour venir me traumatiser. Il y a des fois que tu maries, tu es fini, tu es traumatisé à vie. Tu sors de la maison, c'est pas là. Tu arrives là, c'est pas là. Consolation. Elle s'est oubliée. Elle a oublié sa souffrance. Elle a tout oublié. Elle a donné non seulement ça à boire au monsieur, mais à boire ses 10 chameaux assoiffés. Chaque chameau avait besoin de 10 barils. Donc imaginez-vous, c'est pas dans le saut de scie, hein, où on puise de l'eau. En quelques minutes, c'est plein. Avec puisette. Donc, du matin, du soir jusqu'au petit matin, qu'elle a fini de rendre ce service, Dieu dit, c'est toi, Rebecca, qui dois marier Isaac. Tu as fait quoi pour marier Isaac? Tu as fait quoi? Tu m'as donné à boire mes chameaux, à soifer. Et puis, tu veux marier Isaac? Est-ce qu'on a compris un peu ce que j'ai dit? Amen. Quelqu'un est là dans ta vie, là, c'est qu'il a quelque chose là. Il a fait quel sacrifice? Elle a donné à boire aux 10 chameaux assoiffés. C'est là qu'il a marié.
béni de la planète Terre. Parce qu'il y avait le sourire qu'elle devait avoir. Elle devait aussi être consolateur, consolatrice plutôt. Elle est venue consoler Isaac. C'est quand Abraham, c'est quand Rebecca est rentrée dans la maison d'Abraham que Isaac a arrêté de pleurer. Mais c'est quelle femme? Tu as toujours des problèmes. Amen. Amen. Dans vos fiançailles même, elle ne se soucie même pas. Si aiguille est pitant, les messieurs tant, comme ça. Et puis vous faites comme ça et ça. Mais ça va continuer dans le foyer. Amen. Amen. Tu dois me donner à boire et à me déchanger. C'est ça que David était choqué. David est choqué. Tu vas venir comme ça, mais venir dans ma vie comme ça. Ah! Oh, c'est un piège. La femme qui est prête, elle s'oublie. Elle est prête. Elle est prête parce qu'elle sait. C'est de l'amour vrai. Elle n'a rien. Elle s'attend rien de toi. Elle vient apporter une aide. T'aider. Elle, on appelle Ève. J'espère qu'elle ne vous choque pas. Là, si il y a problème, elle me défend. Elle est prête à me protéger. Alléluia. Amen. Une femme qui n'a pas ce caractère, qui n'a pas cette. Qui n'est pas digne d'avoir, d'être mon épouse. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Dans le choix, tu vas venir dans ma vie comme ça. Pour rien. Quand le serviteur d'Abraham regarde Rebecca, il la respecte. À cause de l'acte qu'elle a posé. Tu as posé quel acte pour qu'on te respecte. Pour qu'on dise que tu es madame tant. Tu as fait quoi? Là, tu sais préparer Plagali. Tu sais faire tout. Elle s'en scopé. Ça a amené quelqu'un. Laisse préparer, c'est bien préparé. C'est rien ça. Tu as posé quel acte. Amen. C'est Amen. Ça qui fait que les gens disent, ah, elle a fait des trucs, mais ce qu'elle a fait dans ma vie là, fait que non, celle-là, je ne peux pas la laisser. Malgré ce qu'elle dit là, non. Même si les gens parlent, celle-là. Elle m'a marqué. Il faut marquer l'homme à vie. Ça veut dire marquer le positif. Vous ne voulez pas marquer les gens? Vous voulez rentrer dans leur vie pour manger quoi? Tu as fait quoi? Puis tu as venu manger quoi? Rebecca a donné à boire et aux 10 chameaux assoiffés. Toute la nuit, elle est en train d'épuiser. Imaginez-vous ses paumes blessées. Mais elle ne pensait pas. Elle a peur d'autre arrière penser. Ce n'est pas concours. Hein. Elle ne savait même pas à quoi ça allait répondre demain. Elle a fait. C'est l'acte là qui l'a amené à épouser Isaac. Et elle est devenue la mère d'Israël, Jacob. Alléluia. Amen. C'est l'acte qu'elle a posé là. Qui l'a amené la mère de Jacob, d'Israël. Amen. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir. Amen. Dans le choix, il faut réfléchir. Quel acte? Elle fait faire, elle fait quoi? Amen. 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 Une femme qui est dans ton intimité. Je reviens là-dessus. Parce que lui, il voulait introduire sa fille dans l'intimité de David pour le tuer. Or, une femme qui n'a pas le sang du sacrifice de vos relations, n'a pas payé le prix, cette femme, elle est capable de te vendre. Elle peut te vendre. Parce qu'elle s'en fiche. Si elle sait ce qu'elle a fait pour venir dans ta vie, elle te protège. Tu as fait quoi pour venir dans ma vie? Tu n'as pas payé le prix, tu vas me vendre. Or, elle a posé un acte. Elle ne savait pas. Mais là qu'elle a posé, là, c'est ce qu'elle a mené à voir Isaac. Quand une femme n'a pas, elle a payé le prix, peut rendre dans ta vie, elle peut te vendre. Tous les secrets, ça va. Or, quand elle pose un acte dans ta vie, un sacrifice, elle te protège. Elle te dit, non, pour avoir lui là, voyez ce qu'il a fait. J'ai fait ça, donc je protège. Tu as fait quoi? Tu as devenu femme de Jacob. Elle est la mère d'Israël. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Elle est le discernement. Elle est le discernement. Non, elle est belle, mais elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Pour marier qui? Nous, il faut bien le regarder. Quel acte il pose dans ta vie? Pantalon de taille haute. Ça va mener où? On est bébé calé. Non, il sait danser cubain. Et puis ça fait quoi, ma famille? Il sait danser, mieux danser dans les boîtes. J'ai fait quoi avec ça? Il y a sa tâche à des conneries. Non, lui, il essaie bien danser, il s'habille bien. Il sent tel quoi à quelqu'un. Attention. Amen. À celui à qui tu te lis.
Ça peut te détruire quand tu construis. Et le discernement. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Nous allons tenir debout pour prier. La prière que Dieu nous ouvre les yeux pour avoir le discernement. Amen. Voilà, le discernement pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, qui est qui dans ma vie. Amen. Amen. Voilà, nous prions ensemble le Seigneur. On t'a prié. Nous te bénissons parce que tu es Dieu et nous voulons te rendre toute la gloire pour ta bonté et pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon. Ouvre-nous davantage les yeux parce que nous marchons dans un monde où il y a beaucoup de méchants et les gens sont toujours prêts à nous détruire. Et tu nous conseilles la prudence. Soyez prudents comme des serpents. Tu l'as même dit, donne-nous le don du discernement. Et Seigneur, notre Dieu, éloigne-nous de toutes ces attractions maléfiques. Éloigne-nous des collections sataniques et démoniaques. Seigneur, afin que tous ceux qui sont comme des parasites dans nos vies, qu'ils quittent au nom de Jésus-Christ. Que l'année 2016 soit pour nous une année de percée, une année de bénédiction, une année de grâce. Au nom de Jésus que j'ai prié, on dit amen. Amen. Alors, veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, on va devoir mettre une pause. Mis de rien, ce n'est pas facile. Mais quitter le froid puis venir, ce n'est pas facile. Ça, je vous dis la vérité. Hein? Je suis parti en hiver. Je suis revenu en hiver, donc ce n'est pas facile. Même si c'était début d'hiver, quand j'ai quitté l'Europe, c'était pratiquement. J'ai fait pratiquement 2 mois. Un mois et demi, et j'étais en plein hiver, en début d'hiver, donc c'était la fraîcheur, tu étais là le matin, fraîcheur, tout ça. C'est pas facile. Je venais pour recevoir, vous avez vu que c'est pas de papa de moi le courant coupé. Mais j'ai donné, j'ai fait une grande partie qui est prêchée. On va mettre une petite pause, on va reprendre les activités à 17h, on va commencer par les entretiens, et puis on va commencer par la délivrance. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que derrière, tout le monde sera derrière, puis je vais commencer à prier, imposer les mains à tout le monde. Amen. Amen. On va marcher, on sait pourquoi, on ne sait pas pourquoi Dieu a permis que le courant se coupe. Lui sait, il sait pourquoi il maîtrise tout ça. Amen. Maintenant, de soi, on va prier. Je vous mets en garde, je mets en garde. Soyez sincères quand vous venez ici. Soyez sincères. Ne venez pas faire de la peu près. Si vous pensez pas que Dieu est ici, moi je vous ai dit, je vous avertis déjà que Dieu est ici. Amen. Celui qui va s'amuser, ça, il va payer. Je suis trop révolté contre la méchanceté. Je vous mets déjà en garde. Celui ça va prendre ici, je ne dis pas dedans. Si vous venez ici pour nous nuire, si vous venez ici dans le but de venir nous détruire, ça va retourner contre vous. Parce que nous sommes ici pour sauver des âmes. Les gens sont en détresse, sans plus vous mettre leur tête. Le diable entend les détruire. Et vous voulez nous détruire. Parce que ce centre-là vous dérange, c'est vous qui allez payer ça. Amen. Amen. C'est vous qui allez payer. Parce que la Bible dit que tu es pierre, si cette pierre, j'ai bâti mon église. Le Seigneur de moi ne préviendra point contre elle. Cette œuvre est bâtie sur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc nous allons reprendre nos activités à 17h. Voilà, à 17h. Je vous mets aussi, je vous dis, faites attention à ceux qui vous côtoient. Faites attention à ceux qui vous parlent. C'est vrai que c'est un centre. Mais ce n'est pas tout le monde qui est converti. Ce n'est pas tout le monde qui est chrétien. D'ailleurs, ils sont venus, c'est pas peut-être les sorciers, tu ne connais pas. Donc faites attention. Je ne dis pas, je ne vous effraie pas, mais je vous conseille la prudence. Voilà, je vous conseille la prudence. C'est beaucoup important. C'est un camp de prière. Voilà, 5 ans de prière. Donc, que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Nous allons reprendre nos activités à partir de 17h. Je suis prêt pour le travail. C'est dans les conditions dans lesquelles je dois me trouver pour travailler. Voilà. C'est comme tu as un chirurgien dans le bloc. Le courant coupé. Il va opérer comment? Hein? Il n'a qu'à opérer. Il va le tuer. Il va le tuer. Amen. Les conditions, pas. Les conditions, c'est tout ça, c'est important. Amen. Voilà. Donc, je laisse le dirigeant vous conduire.
Et puis on aura l'occasion. Tout compte fait, les démons, il est les chasser ce soir. Amen. On va les chasser. Je suis trop prêt à prier. Amen. Alors, on aura l'occasion d'avoir un entretien. On va prier pour vous, pour que Dieu puisse vous bénir. J'ai les secrets à vous donner le soir. Amen. Mais je suis en train de vous enseigner beaucoup de choses dans la vie. Il y a des choses dans la vie que vous devez connaître. Si vous ne maîtrisez pas, ça vous détruit. Je suis prêt à avoir des milliards. Si tu ne sais pas avec qui tu marches, celui avec qui tu marches peut te détruire. Voilà. Moi, je t'enseigne comment te débarrasser de tout ça pour que Dieu puisse te donner des milliards. Et si tu donnes les milliards, tu puisses vraiment, vraiment n'est-ce pas, ça puisse vraiment te profiter. Voilà. Faites très attention à vos fréquentations. Faites très attention à ceux qui tournent autour de vous. Faites très attention à ceux qui veulent avoir des informations sur vous. Pourquoi? Faites très attention à ceux qui vous, avec qui vous causez. Faites très attention. Parce que la vie, là, on peut la perdre à une fraction de seconde. À une fraction de seconde. La vie, vous voyez là, on peut la perdre facilement. Si tu n'es pas prudent, tu ne sais pas ce que tu veux, tu peux la perdre. C'est pour ça que Jésus même nous conseille la prudence. Jésus lui-même l'a dit Dieu, mais il nous déconseille la prudence. Soyez très prudents. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on cherche à nous Jésus? Alléluia. Amen. Voilà, acclame Jésus.